La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de ma vie des mamas. Je vous prends dans cette vidéo, on va se motiver la famille. Je vous montre juste l'état de mon placard, la famille. On va réorganiser mon placard. Comme vous savez, dans cette chaîne, on aime tellement faire des rangements sans pour autant dépenser, la famille. Pour commencer, quand vous faites les rangements, commencez déjà à désencombrer. Faites sortir déjà tout ce que vous avez dans votre armoire. Vous mettez ça à l'extérieur. Comme ça, vous aurez l'espace pour bien réorganiser. Voilà la famille. Je vais juste prendre ces sacs. Regardez, c'était comme ça dans mon armoire. Ce que moi, je fais pour garder la forme de mes sacs. Je stocke juste tout ce que j'ai à stocker dans mon sac. Déjà, je désencombre. Comme là, j'avais des courriers, j'avais des cartons, des appareils qui traînaient dans mon armoire. Je vais juste mettre ça dans mon sac rose. Voilà, ça va déjà garder, le sac, ça va prendre le format. Et ça me permet aussi de réorganiser mon armoire sans pour autant dépenser. J'ai juste pris les courriers, je mets dans les sacs, voilà. Ça fait l'affaire, voilà. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'acheter des boîtes, comme je dis. J'aime tout ce qui est organisation, utiliser des boîtes. Pourquoi pas avoir des idées comme ce que j'ai, comme l'idée que j'ai eue tout à l'heure, que je vous ai montré. Juste mettre des courriers dans vos sacs, de mettre du sac dans le sac. Voilà, ça aide aussi beaucoup pour garder la forme et réorganiser. Voilà, je vais commencer par faire sortir tout ce que j'avais dans l'armoire. Ensuite, je ferai les tris. Qui dit désencombrer, c'est aussi se débarrasser des affaires que vous n'utilisez pas ou vous utilisez moins. C'est ce que moi je fais. Je vais regarder les chaussures que je ne mettais pas. Il y a des chaussures que ça fait longtemps que je n'avais pas mis. Je vais vraiment me débarrasser. Je ne vais pas jeter, je vais donner. S'il y a à vendre, je vais aussi vendre. Voilà, au moins, j'aurai déjà l'espace. J'aurai déjà désencombré mon espace. Regardez tout ce que j'ai. Mais vous en faites pas la famille, je me suis débarrassée de presque la moitié de tout ce que j'avais. Voilà, comme je vous ai dit, ici on dépense moins, mais on s'organise. Je vais juste prendre le meuble qui était dans mon armoire. Je vais prendre ça, je mettrai ça au couloir. Vous verrez tout au long de la vidéo, voilà. Je vais juste changer de place de meuble. Je trouve que ça me permet déjà de moins dépenser et je m'organise tellement en changeant de place. Des objets dans la maison. La famille, dites-moi dans les commentaires, la famille, si vous êtes comme moi. Moi, j'ai fait que transformer la maison. J'ai fait que réorganiser, voilà, les meubles qui étaient dans ma chambre. Comme je vous ai dit, j'ai mis ça dans le couloir, juste dans mon entrée. Voilà, c'est un autre projet à venir aussi. Je vais réorganiser. Avant, il y avait un autre meuble qui était à l'entrée que je me suis débarrassée parce que ça fait
date. Ça faisait longtemps que j'avais ça. Et le meuble que j'ai, à la base, je voulais mettre dans ma chambre. J'ai encore changé. J'ai mis ça dans la chambre de mes filles. J'ai juste pris le meuble qui était dans leur chambre et que je vais mettre là. C'est des petits meubles en casier. Je vais mettre là et je vais réorganiser mon placard, mon armoire. Voilà la famille. Je vais juste mettre les étagères. Vous voyez les étagères du meuble Bill, le meuble bibliothèque de chez Ikea, que j'ai organisé aussi mon placard dans la cuisine. Il y avait des étagères que je vais utiliser, ces étagères, pour juste créer cet espace dans mon placard, créer ces meubles, voilà. Je vais mettre ça par-dessus parce que je veux mettre les chaussures comme c'était ouvert. Je vais juste pris les étagères que je mis, voilà, les planches que je mis pour faire cette meuble à chaussures. Voilà la famille, des idées. Il faut avoir des idées, de créativité, ça aide beaucoup, ça m'évite de beaucoup de penser, la famille. Je vais faire les tri, comme je vous ai dit. Ensuite, je vais ranger. Dans la boîte, là, il y avait du plaid que je mis dans le boîte. Je vais réorganiser aussi ça. Voilà, c'est du plaid, mais j'avais aussi stocké d'autres choses. J'avais stocké l'appareil à manucure. Voilà, bref, on va juste réorganiser, donner encore vie à mon plat. La famille, une fois que je finis à créer ce meuble à chaussures, voilà, cette étagère à chaussures, je vais m'attaquer au manteau, tout ce qui est en haut, donc voilà, je vais tout faire sortir, comme je vous ai dit, il faut tout faire sortir pour mieux réorganiser la famille. Voilà, j'essaie déjà de créer l'espace pour réorganiser tout ce qui est manteau, les vêtements d'hiver. Vous savez, bientôt c'est l'hiver, c'est aussi très important à chaque changement de saison de réorganiser vos armoires, vos garde-robes, parce que ça vous permet déjà d'avoir tout ce que vous allez porter à la porte de main, quoi. Voilà. Pareil, ici aussi, je fais aussi les tri. Je vais regarder les vêtements que je ne porte pas. Voilà. Je vais mettre à côté. C'est histoire de désencombrer pour mieux réorganiser. Mettez ça en tête, désencombrer pour mieux réorganiser. Voilà. C'est vrai, des fois, ça fait mal de s'en séparer avec des objets que vous avez tant aimé, comme dit Marie Kondo, il faut regarder cet objet, vous remercier, merci, vous m'avez procuré du bonheur, c'est le moment de m'en débarrasser de vous, voilà, c'est vrai, ça fera aussi plaisir à d'autres personnes, comme la plupart des affaires que je me suis débarrassée, c'est pour donner et vendre, voilà, n'hésitez surtout pas à essayer aussi, vous savez, le perte ou reprise du poids. Ça peut aussi faire que les affaires que vous avez dans vos placards, que vous allez même pas mettre ça. Voilà, je vais profiter aussi d'essayer quelques vêtements qui m'allaient plus, je mets à côté, qui m'allaient. Voilà, il y a aussi des vêtements que j'avais oubliés, que j'avais dans mon placard. Voilà, c'est aussi faire aussi les mises en point, de regarder déjà tout ce que vous avez. Voilà, je fais des essayages, la famille. Voilà, comme je vous ai dit, c'est bientôt l'hiver, c'est le moment de faire sortir vos manteaux, vos vestes, et voilà quoi. Permettez-moi de me présenter, moi c'est Stella, maman de trois, je vis en France, je fais ce genre de vidéos de motivation. Cette chaîne, c'est vraiment une chaîne de motivation, on est là, on partage nos moments, on se motive. Si ce genre de contenu, ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, commenter, ça me fera vraiment plaisir. Liker surtout la vidéo, ça permet à l'algorithme YouTube de partager aussi les vidéos à d'autres personnes.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. La famille, l'autre partie de mon placard, j'avais déjà réorganisé ça. Je vous mettrai les liens de la vidéo. Voilà, là, je vais juste prendre les robes qui étaient dans l'autre partie. Je vais mettre ça là où il y a des robes. Voilà, c'était mélangé. Et je vais garder l'autre partie de mon placard vraiment plus pour le vêtement d'hiver, le manteau, voilà, les gilets que je vais mettre aussi dans les étagères. Je sais pas si vous avez compris, j'avais dit on fait tout sorti, sauf qu'au lieu de faire tout sorti, je fais catégorie par catégorie. Voilà, là je fais le penderie que j'avais mis de veste et tout ça, je vais organiser ça. Ensuite je ferai les étagères, voilà, ainsi de suite, parce que quand vous avez beaucoup de choses éparpillées, vous allez perdre pédale, vous allez être fatigué, vous verrez que j'ai beaucoup à faire. Voilà, si vous faites petit à petit par catégorie, ça m'aide beaucoup à minimiser les travaux que j'ai à faire. Voilà, ensuite le résultat c'est juste magnifique. La famille, on est là pour se motiver. Dites-moi dans les commentaires si la dernière vidéo ça vous avait motivé de ranger ou de faire les ménages dans votre maison. Dites-le-moi dans les commentaires s'il vous plaît. J'aime tellement quand vous commentez, j'aime tellement faire les échanges avec vous en commentant les vidéos, ça m'aide beaucoup aussi. Voilà la famille, l'organisation, le rangement que j'ai fait dans mon placard, la famille. Je suis fière de moi, franchement, ça fait plaisir quand tout est organisé, quand tout est rangé. Dites-moi dans les commentaires, ça vous fait quel effet? Moi, j'aime tellement. Voilà la famille, dans le boîte, je mets les plaids. Voilà, j'ai tout organisé la famille par catégorie. Sur le penderie, je mets tout ce qui est veste, manteau, mes ensembles en genre. Voilà, sur les étagères, je mets le pile, comme je vous ai dit, comme c'est bientôt l'hiver, je vais vraiment organiser par rapport aux saisons. Voilà, je mets tout ce qui est pile, gilet, voilà. Comme ça, j'aurai tout. C'est tellement facile à trouver, tout ce que vous avez apporté. Les manteaux, dites-moi dans les commentaires. Moi, ça me prend la place. J'ai essayé de faire le pli long au moins long. Voilà. Et en bas, je mets juste mes chaussures. Je rajoutais ces guirlandes. Je m'irais vraiment mettre du LED, tout ça. Comme j'en ai pas pour le moment, je pris juste les guirlandes que j'avais à la maison, voilà, le jeu des lumières que j'ai mis, voilà. C'est juste pour créer cette côté cosy, voilà. La famille, je suis
très fière de moi, voilà. J'aime bien quand tout est rangé, voilà. Les sacs, je mets, si vous regardez, si vous ouvrez les sacs, vous allez trouver plein de choses dans mes sacs, voilà. Je mets les pannes, quelques vernis permanents que j'avais, c'était par-ci par-là, j'ai tout organisé la famille. Comme je vous ai dit, je me suis débarrassée de presque la moitié des chaussures que j'avais, des chaussures que je ne portais pas. Voilà, et dans le boîte, je mets des plaids. C'est tout moi. C'est une petite organisation, mais ça apaise tellement la famille. Je sais que j'ai tellement tôt que je peux porter, voilà, la visibilité, quoi. Ça compte dans l'autre placard. Comme je vous ai dit, je ne vais pas toucher. J'avais déjà organisé ça, ça fait longtemps. Pareil, je mets mes t-shirts, mes chemises. Et voilà, je sais que là, je vais trouver plus de choses du vert, printemps, voilà. Été aussi. Voilà, pas du verbe, c'est plus des choses d'été et printemps, voilà. Le reste de la chambre, c'est comme ça. Les étagères, le rangement, ça aide beaucoup la famille. Je pas un grand, la chambre n'est pas vraiment grande, mais j'essaye un peu d'optimiser, d'organiser, voilà, les étagères comme ça. Des chaussures comme ça fait joli. La famille, c'est juste, il faut dépoussiérer tout le temps, tout le temps dépoussiérer, ben, le fait que ça donne après le rendu qu'on a, donc ça me fatigue pas de dépoussiérer. L'entrée, c'est comme ça pour le moment. Le fleur, c'était dans ma chambre. Je mis ça à l'entrée, voilà, avec l'étagère. Au moins, on aura la facilité dès qu'on rentre. On laisse nos chaussures à l'entrée. Les murs, je vais. C'est un projet en place, la famille. Je vais essayer de décorer mon entrée, voilà, je fais avec ce que j'ai, avec les idées que j'ai. C'est comme ça mon entrée, voilà, simple. Ça aussi, je vous montrerai la vidéo que j'avais fait pour décorer mon entrée ainsi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Ça me fera plaisir. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.